qui se fait entendre. Athalys, elle se retourne et elle dit « Ah, vous avez pu préparer du thé alors ? On a bien besoin de se réchauffer avec le repas de ce soir. » Du coup, en fait, comme Georgia et Katina étaient parties se coucher et que Elpir était avec Skapti pour le tenir éveillé le temps que vous arrivez, c'est Skapti lui-même qui va vous servir. Du coup, il vous sert son petit ragoût qu'il avait préparé la journée. Mmh. Et du coup, il en profite élégamment pour apporter une jolie assiette à Ilana et lui faire un gracieux sourire avec son châle. Et et il fait du coup la même chose avec Athalys. Et vous remarquez effectivement un châle brodé de fleurs. Ça donne une petite touche assez particulière au demi-ogre. On a conscience que la musique, elle peut pas sortir de n'importe où comme ça. Non, donc... Athalys, non, pas du tout. Athalys, elle se dit qu'il y a doit y avoir quelqu'un qui joue de la musique dans la pièce à côté, tu sais, elle est pas... Elle pense pas que quelqu'un peut manipuler à ce point les PNJ. Et du coup, elle accepte son assiette de ragoût. Et voyant que Skapti a l'air d'avoir fait un effort, même si cet effort est... Et... Vous remarquez effectivement la petite feuille de salade au bord de l'assiette. Elle regarde Skapti, elle fait... Dis donc, Skapti, merci d'être éveillé aussi, d'être resté éveillé aussi tard pour nous accueillir. Vous vous êtes mis sur votre 31. Bah, normal. Quand on en accueille des gens aussi exceptionnels, on est obligé de faire un effort de présentation quand même. Eh bien, vous êtes très élégant, Skapti, sachez-le. Et ensuite, je me concentre sur mon assiette et j'essaie de manger. Alors, je vais jeter un regard à Athalys un peu. Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'elle commence à lui parler. Et puis, dès que Skapti va essayer de faire attention à elle, elle va plonger dans son ragoût. Et peu importe qui elle C'est ça. Elle mange. Et puis, Athalys, après sa première bouchée, elle dit: Vous n'avez pas vu Alnar? Il est arrivé en même temps que nous. Il faudrait qu'il vienne manger. Oui, sur ce, Alnar vient de manière innocente. Depuis la cuisine, donc, hein. C'est ça. Avec une assiette. Ah, bah, il va s'installer, du coup. Je pense qu'un peu de thé serait pas de refus pour les demoiselles et moi-même. Oui, s'il vous plaît, préparez-en assez pour nos amis aussi. Ils vont pas tarder à arriver et ils seront sans doute transit froid et trempé. Et Ilana regarde Anna et dit « Merci, mais je sais demander ce dont j'ai besoin. » De quoi parlez-vous? Vous n'avez pas besoin de commander une thé pour moi et je ne sais pas ce que vous faisiez dans cette cuisine. J'imagine que... Je me servais de ragoût. C'est l'innocence mais oui. Vous ne pouvez pas croire que vous ne faisiez que cela, mon cher ami. Et en retombant son ragoût, après avoir lancé un petit regard du style, nous aurons une discussion plus tard. Et du coup, Skapti se... essaye d'attirer le regard d'Elpire et de Alnar et vous dit ça serait peut-être que j'achète d'autres châles. Elle m'a dit que ça m'allait bien. C'est vrai qu'à y réfléchir, je pourrais peut-être essayer d'en avoir un petit peu plus dans mon armoire. On va créer un demi-ogre avec du style. On entend ça puisqu'il n'est pas forcément très discret si. Il n'est pas discret du tout. La question, c'est de savoir si vous vous sentez à l'aise avec ce chat, mon cher Skapti. Je ne le sens même pas. Un sourire encourageant. Après. Ça adoucit votre silhouette, Skapti, c'est bien. Oh. Par contre, attention, ça sera d'entretien, parce que avec le travail que vous effectuez, j'ai peur que vous les salissiez vite et que.
la terre soit difficile à enlever. Vous me faites plaisir à me dire tous tes compliments là. Mais promis, hein, je vais faire attention. Et du coup, tu vois qu'il passe une petite main sur sa tête comme s'il avait des cheveux alors qu'il en a pas. C'est vrai que je vais foutre du miel en plus. Il a le crâne qui brille bien. Qui brille et qui colle. Et effectivement, quand il passe sa main sur sa tête comme ça et qu'il l'enlève, effectivement, il a un petit problème avec ses mains. Tu vois qu'il a un petit mouvement de sa colle, oui, effectivement. Et de ne rien voir. Elle veut pas l'embarrasser. Mais il a une odeur de rose quand même. Ouais, ouais, elle fait mine de rien voir, elle veut pas l'embarrasser, elle mange. Et du coup, lui, il va là, sur la table, juste à côté, puis il s'assoit, il vous regarde. Alors, votre journée, ça s'est bien passé? Alors, Thalys, voyant que personne ne veut faire la conversation, elle va relever les yeux. Elle va dire « Oui, merci, Skepti, c'était très bien, nous avons pu faire tout ce que nous avions prévu de faire en ville. On a eu une journée bien remplie. » On a rencontré une jeune fille très sympathique qui s'appelle Elle. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle vient de la ville. Ah, la fille de riche. Ouais, ouais. Ah, bah là. Ouf, c'est pas que je l'aime pas, mais... Mais elle a un avenir certain ici. Ça sera elle qui sera... qui commandera tout le monde ici. Donc, si vous savez... L'avenir n'est certain pour personne, Skepti. Vous savez, on est maître de son destin dans la main d'Aliana. Et Pierre s'approche. Effectivement. Alors ça, je vous assure que moi, dans ma vie, vous verrez ce que je ferai, mais je le ferai. Vous avez bien raison, jeune fille. Aliana guide nos pas. Exactement. Je si vous pense êtes dans que... la lumière d'Aliana, vous pouvez... tout espérer de la vie. Je pense qu'un lieu de recueillement d'Aliana serait fort intéressant, surtout pour Elpir. Et je lui souris. Tu souris à qui? À Elpir ou à Thalys? À aux deux. Toujours. À tout le monde. Et puis, je suis sûr que Skepti pourrait embrasser votre religion s'il avait un endroit où il pourrait en apprendre ses préceptes. N'est-ce pas? Oui, si mademoiselle Thalys elle veut un temple, ben je vais lui en faire un, je vais commencer ça dès demain. Quelle bonne idée! Je lui fais ça dès demain. Qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde à... Évidemment qu'elle est d'accord. Elle se fait embobiner comme une bleue. Évidemment qu'elle est d'accord, elle dit « Oh, ça serait effectivement une très bonne idée. En plus, votre relais est très passant, ça serait l'occasion de... pouvoir offrir un lieu de recueillement à tous ceux qui passent par ici. Mais est-ce que Georgia sera d'accord? Parce que c'est quand même chez lui. Justement, si mon papa il veut bien faire ce genre de choses, il faudra quand même réfléchir à deux fois si ça va plaire aux gens, parce que vous savez qu'Aliana, tout le monde y croit peut-être pour beaucoup, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui l'aiment pas du tout ici. Ah ben ça peut arriver, hein. Il y a des passants, ça peut les offusquer. Hein. Ah, vous avez une politique de laïcité dans ce relais. Laïcité. C'est ça. Je pense que, à moins d'être totalement opposé à Aliana et à ses préceptes, et je ne vois pas quelle personne de bonne volonté, de bonne compagnie pourrait être totalement opposée, si les gens ne sont pas touchés par Aliana, ils se contenteront de passer leur chemin. Oui, voilà, si vous voulez, vous pouvez me passer quelques petits fétiches que je puisse vendre dans ma petite boutique, si vous souhaitez, je peux vous les vendre. Comme ça, ça vous fera des ressources. Des fétiches. Vous voulez faire du commerce avec la religion? Non, bien sûr, je veux seulement rendre un service à la religion. Après tout, il faut bien que vous ayez des moyens devers vous. Oui, c'est vrai, il nous faut des moyens. D'ailleurs, et elle sort son tronc, elle le pose ostensiblement au milieu de la table et elle se remet à manger. Parce que du coup, elle n'a pas beaucoup mangé avec tout ça.
Qu'elle voit le tronc et... Dis la main, qui a fini son assiette. Il va la ramener en cuisine. Et du coup, Elpire regarde Skapti et Alnar et vous dit « Eh bien, messieurs, remplissez le tronc. Qu'est-ce que vous attendez ?» Et du coup, Skapti dit « Moi, j'ai pas de sous ce soir. J'ai été ce matin chercher des rats frais en ville. » Atalys continue de manger. Sans faire le lien, elle ne veut pas faire le lien et elle dit Lana a un petit haut de cœur avec lui dans des plans son assiette quand elle entend les murs sont fins, c'est pas ma faute, c'est ça. Pour ma part, cela a déjà été fait de donner au pour Aliana dans le, ce matin, c'est vrai. Et puis Atalys regarde Elpire et elle dit vous savez, Elpire, il ne faut pas forcer les gens à donner. Il faut leur proposer et ensuite que chacun fasse selon ses moyens. D'ailleurs, Skapti, s'il propose de s'occuper de cet hôtel à Aliana, remplira sa part tout à fait de participation. Toutes les dons à Aliana ne sont pas financiers. D'accord. Elle aime la salade, Aliana, ou pas? Je ne pense pas. Vous savez, Skapti, les dieux n'ont pas les mêmes besoins que nous autres ici sur Terre. Mais elle aime qu'on fasse bien les choses, qu'on dise la vérité, qu'on soit juste. Et je me suis noté quelque part. Et qu'on ait du courage dans les combats quand c'est nécessaire. Eh bien, ce que je vous propose, c'est demain matin, vous venez... Et je vous fais visiter mon potager et vous me dites si je suis courageux et si je fais bien mon travail. Alors, Atalys, je vais faire un petit regard à Ilana. Au cas où. Ilana, elle est toujours à la cuisine, elle essaie de. Je vais faire un petit regard à Alnar. Alnar qui rétorquera. Je pense que. Planter un jeune arbre. Et l'entretenir pourra forger et faire durcir avec bravoure et courage la volonté et l'engouement pour Aliana aussi bien au sein du culte que ici auprès du relais. Et